Hey, si non moment on regarde des vidéos, ou pourquoi abonner avec channel là? Oui, il fait ça pour nous. On prend un petit crochet en bas pour y aller faire ça. Et pas oublier like, commenter vidéo, partager avec amis, partager avec famille. C'est une façon pour permettre que plus monde puisse bénéficier des formations. Merci. Dans la vidéo, ça, nous allons continuer à créer page web nous ensemble, qui c'est une agence de voyage. Ok? Pas oublier que nous travaillons dans la partie Manimage, nous travaillons dans la partie header là. Ok? Si nous allons dans la maquettation, nous gagnons la partie header là. Nous travaillons dans la partie Manimage avec bouton. Ok? Eh bien, nous restons pour nous travailler dans la partie step là, qui c'est étape. Yo. Eh bien, si nous regardons page web nous, eh bien, jusqu'où nous avons ces résultats, ça nous gagne. Eh bien, on commence. Pour commencer, je vais ouvrir l'éditeur de texte. Hein? Je retrouve moi en dans fichier index.html. Je cherche tag section qui gagne un ID qui c'est steps. C'est lui-même qui va indiquer moi dans qui partie, je travaille dans la page web. Ok? Eh bien, nous allons travailler dans la partie étape là. Ok? En dans tag section, je gagne un tag qui c'est div. Eh bien, tag div ça, il gagne une classe qui c'est wrapper. C'est une classe générale que nous avons utilisé. Ok? Eh bien, en dans tag div ça, c'est là que nous allons commencer par redistribuer la page. Nou. Comment nous allons redistribuer? Si nous regardons la maquettation, ok? Nous gagnons yon liste, ok? Désordonnée. Chaque liste sa yo gagne yon élément, ok? Li gagne yon icône, li gagne yon titre, et puis li gagne yon paragraphe, ok? Nous allons commencer avec titre là, avec paragraphe là, ok? Premier, c'est planifier. Deuxième, nous gagnons yon paragraphe. Et deuxième élément, c'est organiser avec yon paragraphe et voyager avec yon autre paragraphe, ok? Eh bien, on commence à faire. Premièrement, on a commencé avec tag UL qui permet de nous faire liste désordonnée nous, hein? OK? Et eh bien en dans tag UL ça, et eh bien c'est là nous allons créer liste nous avec tag li. En dans chaque tag li, n'a pas gain premièrement un tag H4 pour heading, OK, qui va permettre nous écrire titre là, OK? Premier qui c'était planifié. Eh bien, m'a copier ça, m'a coller li trois fois parce que moi gain trois éléments en dans liste moyen. OK, deuxième nan qui c'est organisé, m'a changer nom yo. Et troisième nan qui c'est voyager. Liste moyen gagne un titre, OK, premier planifier, deuxième nan organisé et troisième nan voyager. Eh bien, moi pour aller dans ma maquettation moyen pour plus facile, m'a copier paragraphe là, si vous voulez ou ka écrire li ou bien si vous voulez ou ka copier li tout. Pour faire plus rapide ou vidéo pas trop long, m'a juste copier. OK, m'a retourner en dans planifier ben en bas tag H4 moyen, c'est là m'a mettre paragraphe moyen en dans tag qui c'est pi qui va permettre moi écrire paragraphe. Eh bien, nous finis avec premier élément, nous va faire même travail là pour deuxième élément avec troisième élément. M'a copier paragraphe là, va aller en dans éditeur de texte, OK, m'a ajouter un tag pi qui va permettre moi écrire paragraphe. Et puis, en deux tag pi, m'a copié le paragraphe. M'a été voyager. Copier li. Nous connaissons pour nous copier li avec CTRL C. Et puis, m'a ajouté tag pi. Puis, m'a collé. OK. Si m'a enregistré avec CTRL S, et si m'a allé sur la page moyen, m'a actualisé. OK. Ou après, m'a gagné liste moyen. Ajouter, OK? Eh bien, kounya nous pral ranger li parce que nous elle yon ti jan led, eh bien nous pral bali forme. Si n'ap gade nan maquettation nou an, ou apre ke image yo différent, OK? Icône yo différent, OK? Eh bien pour nous ka bay yo chaque icône pa yo nan éditeur de texte, nous supposé en dans tag lien, nous supposé bay yo chaque yon ID différent, OK? Pour nous ka bay yo chaque image pa yo. Pour nous bay yon ID, OK? Pa bliye se avec attribut ID, et puis n'après le premier step-1. Copier-le, plus rapide. Coller-le là. Après ça, step-2. Et pour finir, on copier-le en bas. Step-3. OK? Eh bien, dans façon ça, nous sommes capables d'arranger en dans fichier CSS nous avons nous le travail. Pour nous commencer, m'a copié commentaire ça et puis m'a collé li en bas pour m'ka indiquer que moi pral travailler dans partie step. OK, pour commencer moi pral utiliser ça relé imbrication que moi t'ai enseigné. OK,
Premièrement, m'ap komanse avèk ID Steps. M'ap pral travay sou tag UL la. Deuxièmement, m'ap pral travay avèk tag li, OK? Pou mwen jwenn li, et ben a l'aide de imbrication, OK? M'ap pran UL et ben mwen rive sou li. Et pou fini, m'ap pral travay ansanm avèk ID ki genyen an dan chak tag li yo, OK? M'ap itilize Jazz et pi nou rele ID 1 qui c'est step 1 qui c'est première et puis moi ka copier li moi ka copier li et puis moi coller li en bas moi juste modifier 1 qui c'est 2 et puis moi modifier qui c'est 3 façon ça et ben m'a privé en dedans chaque tag li m'a ka utiliser style moins vle ya, OK, parce que chaque tag li sa yo yo gen yon ID. Pour ki sa li gen yon ID différent, c'est parce que chaque élément yo gen yon icône différent, OK? Eh bien, premier ça nous va le faire en dans step li nou, OK? En dans élément nou, nous va ba li yon grosseur, OK? Avec attribut wide. Ki grosseur n'a pas le bali yon grosseur de 300 pixels. Mwen pral utilize propriété float. Pour ki sa mwen pral utilize propriété float? Si mal e nan maketasyon pou mwen montre, OK? Ou apwe ki jan li redistribuye nan maketasyon. Et ben si nan gade nan page web nou, OK? Ou apwe yon an ba lot. Non pa vle yon an ba lot, non vle yon a kote de lot. Et ben pou nou fè sa, se avèk propriété float. Nan bali yon valeur ki se left, OK? Et ben avèk kobanza, et ben nap ka di chaque élément nou yo nou vle pou yon flote à côté de l'autre, OK? Si mwen enregistre avec contrôle S et puis mwen ale en dan page mwen, si mwen actualize ou ka actualize avec F5 ou bien ou juste cliquer sur actualize, OK? Et ben ou apre kounya yo chaque vin à côté de l'autre. Nou presque gen même bagay avec maquetation nou. Pour nous continuer, OK? Si mwen retourne en dan fichier index.html mwen, ou apre si ou ap gade an dan chak tag li nou yo, OK, nou gen yon tit, OK, ki gen yon tag heading H4, OK, et ben tit yo yo gen menm grosseur et puis yo gen menm couleur, c'est ça te fait nou utilize de façon générale sou tous les trois éléments yo, OK. Et ben an retourne an dan fichier style.html la, nou pral an lè côté nou gen tout style général nou yo, OK, pa oublier nou te mete commentaire général, et ben en bas HDA, nous ka utiliser titre H4 nou pour nous ka ba li style. Et puis tout, nous pral utiliser paragraphe nou parce que nous gen trois paragraphes qui identiques, et ben n'a utiliser de façon générale. Tout style nous pral appliquer sous tag H4 ça, et ben l'a appliquer sous tous les trois styles ça yo. OK? Et ben même genre tout style n'a appliquer sous paragraphe puis ça, et ben l'a appliquer sous tous les trois paragraphes ça. C'est différent ça qui gagne entre les général et avec les nous individualiser avec yon ID. H4 nous nou pral ba texture yon grosseur avec yon couleur, OK? N'a pas utiliser propriété font size. M'a utiliser propriété font size et puis m'a ba yon grosseur de 24 pixels. Et puis m'a ba yon couleur avec propriété color. M'a ba li même valeur jazz 44, 44, ça. OK. Et ben pour paragraphe moyen, qui ça moi pral faire sur li même? Moi pral utiliser propriété line 8. Pour qui ça m'a pral utiliser propriété line 8? Et ben m'aller dans ma quitation pour m'expliquer. Ou après texte nou yo hauteur de ligne yo collé, OK, ou après yo collé en pile. Et ben moi pas vle li trop collé parce que sou gade dans ma quitation moyen, OK? Yo pas trop collé, gen espace de ligne, OK? Et bien pour moi qu'a fait ça, m'a utilisé propriété line height, OK? M'a bali hauteur de 20 pixels. Et puis m'a ba paragraphe moi yon valeur qui pi palm, OK, avec color jazz 777. OK. Si moi enregistré avec contrôle S et si moi retourner moi actualiser, OK, et ben ou après qu'on a gain yon hauteur de ligne de 20 pixels avec propriété line height, nous fait ça.
On a nous capable retourner en bas pour moi qu'à utiliser style personnalisé sur H4 moyen. OK, et ben moi va aller en les step 1 et ben m'a prélé steps. OK, m'a utiliser H4 et puis moi pour qu'à appliquer style de façon personnalisée sur H4 là. Différence qui gagne entre H4 personnalisé ça avec H4 généralement était utilisé en les On va le faire un bref rappel pour qu'on comprenne bien, pour ne pas mélanger. H4 général, ça qui s'allie. C'est quel que soit côté moins gain, yon titre H4 en dehors pas jouer moins, et bien par défaut, la bien 24 pixels et puis la bien couleur ça. Et bien, moi je vais appliquer style de façon personnalisée sous H4 moyen qui retrouve li en dans ce type là. Ok? Et bien, pour moi qui fait ça, je vais utiliser imbrication. Qui style personnalisé je vais utiliser? Si je vais dans maquetation, ok? Si vous regardez titre yo écrit en majuscule et ben pour moi ka utiliser style ça de façon personnalisée si moi ta gagne un autre H4 dans page moi moi pas vle yo écrit en majuscule et ben moi utiliser imbrication OK pour moi ka fait ça et ben c'est ça nous va le faire et ben m'a retourner en dans fichier style.css moi OK moi va utiliser propriété text transform et puis m'a bali valeur uppercase OK C'est lui-même qui va permettre moi de mettre toutes les lettres en majuscule. Okay? Après ça, je vais utiliser un margin button en bas une valeur de 20 pixels. Si je enregistre CTRL S et si je vais aller dans la page moyenne, okay? si je vais actualiser, et bien on va regarder qu'on y a tout titre écrit en majuscule. Avant tout, il faut que je vais aller en dans fichier index.html. Faut moi ajouter ID en dans chaque élément li moi yo m'a commencer avec premier lien qui s'est planifié et ben m'a déclaré ID an. OK m'a relé li steps-1 en dans deuxième élément m'a déclaré yon ID encore m'a relé li steps-2 et en dans troisième élément m'a déclaré yon l'autre ID m'a relé li steps-3 Et puis, je vais le faire enregistrer. Et je vais retourner en dans fichier style moyen. Et bien, quand je vais utiliser la propriété background, je vais le bali valeur, premièrement, URL, ok, pour moi, je vais dire keyboard, image moyen, ou bien icône moyen, sur le computer, ok, lien dans de sécurité, image, ok. Et puis, non premier icône moyen, le step-icône. -1 OK et ben m'a metté point virgule et si moi enregistrer avec contrôle S ou bien moi aller dans fichier moi cliquer sur enregistrer OK si moi aller dans page moi et ben moi actualiser ou après icône moi monter mais li répéter plusieurs fois pour qu'il répéter plusieurs fois c'est parce que et ben élément moi en li gagne un conteneur OK qui c'est div là et ben qui gagne en grosseur yon large et ben à cause des valeurs larges ça li gagne élément moyen icône là li obligé répéter plusieurs fois pour li ka plein tout espace là pour moi éviter ça OK moi va retourner en dans propriété background là OK m'a utiliser yon l'autre valeur qui c'est no repeat OK et puis m'a enregistrer si moi actualiser et ben ou après li pa répéter et ben kounya ki sa mwen rete pou mwen fè mwen rete pou mwen mete ikon mwen an lè tit mwen ki se planifye et puis pou mwen mete lòt ikon yo comment on a fait ça et ben m'a jist kopye balè sa avec contrôle c m'a kole li en bas et puis m'a jist change valeur m'a rele sa 2 et ça Wow. OK et bien pour moi quand mettre li en lait titre moyen m'a utiliser valeur top et puis tout moi besoin pour icône moyen li centré et bien m'a utiliser valeur center OK l'autre ça moi gagne pour moi faire tout faut moi aller en dedans step UL et li moyen OK moins utiliser yon padding top OK pour ça mon va utiliser yon padding top par exemple si moi enregistrer avec contrôle S moins
al aktualize. Ok, ou apre, chak eleman mwen yo, yo gen ikon yo, men, malge ikon nan li sadre, men li pa retouve li an le, tit mwen ya pou ki sa, paske, pou mwen bay lis mwen ya yon pa din, ok, pou ikon mwen ya jwen espas pou li ka monte an le, ok, koman ma fe sa? E ben, fok mwen itilize propriyete pa din top, ok, mwen bay li yon valeur de 140 piksel. E si mwen enregistre, avek kontrol S, et si mwen aktualize, ok, ou apre ikon mwen yo, ok, yo retrouve yo an le, tit mwen yo, ok, men ki sa ki rete pou mwen fe konya, e ben, teks mwen yo, yo pa centre, ok, e ben, pou mwen ka centre li, map utilize, map utilize propriété text align, et puis map bal yon valeur ki se centre. Si mwen enregistre, mwen aktualize, ok, wapwe, teks mwen yo konye a li centre. Ki sa mwen rete pou mwen fe? Ebe, wapwe ke, ikon mwen a li kole ansanm avek imaj mwen. Ebe, pou mwen evite sa, ebe, mwen kaba li yon margin, ok, mwen pral utilize propriété margin right, ok, et eh bien, ma balle yon valeur de 10 pixels. Ma enregistre. Et puis, en bas, step H4 mwen, mwen pral utilize même formule lan sous step paragraphe mwen pou mwen ka aplike yon valeur. Ok? Ma pral balle yon margin button. Ma balle yon valeur de 20 pixels. Et si mwen enregistre avec CTRL S, si mwen retourne sur page mwen, ok, mwen aktualize. Et bien, si mwen gade, mwen pouwe maketasyon mwen li perdi fòm li paske mwen bali yon margin right de 10 pixel. Et bien, mwen pa oblige bali yon margin right de 10 pixel, sinon lap te gay. Et bien, mwen retourne an dan fichier style mwen, mwen jis efase margin right lan, ok, pou li ka repran menm fòm li. Mwen kite li kon sa. Si mwen aktualize, ok, et eh ben li gen menm fòm nan. Et ben, pou mwen ka jwenn espas sa an ikon yo ansanm avèk foto a, et eh ben ki sa mwen pral fè? Sou step wi el la, et eh ben mwen pral utilize yon margin de 80 piksel. An ou e an ba, e m ap bali 0 piksel. Mwen enregistre. E mwen aktualize. E ben kounya, wapwe mwen gen yon espace de 80 piksel an ou e an ba. E mwen gen ikon mwen ki centre par rapport avec page mwen. Ok? Si mwen ali nan maketasyon mwen, wapwe mwen gen menm logik la. Ok? E ben, pou seans video sa, se sa mwen te vin anse yo, koman pou te itilize pati step sa nan page web la. Mwen souwete ke ou mette sa nou ansenye yo an pratik e si yo gen kesyon, pa bliye pose yo, si yo gen sujestyon tou, pa bliye fem konen. Mersi, nan pou nan pochen video. Hey, si nan mwen mwen gade video wa, ou poko abonye avèk chanel la, ou yi fè sa konye, wapwen yon ti klochon ba pou yi al fè sa. E pa bliye like, komante video yo, pataje yo avèk zanmou, pataje yo avèk fami, se yon fason pou pèmèt ke plis moun ka benefise de formasyon. Mersi.